si je pose la question dans cette salle, qui est baptisé? Beaucoup de personnes vont lever la main. Quand je vais demander après, comment avez-vous été baptisé? Ce que les uns et les autres vont me dire, va me montrer que celui-ci a reçu la révélation, celui-là n'a pas reçu de révélation. Si tu me dis, je suis baptisé depuis le ventre de ma mère, tu es classé. Tu n'as pas la révélation du vrai baptême. Si tu me dis, je suis baptisé au nom de Jésus, je saurai tout de suite que tu n'as pas reçu la révélation du baptême. C'est de lire la Bible, mais tu n'as pas l'esprit de révélation. Ton cœur est voilé. Si tu me dis, on m'a baptisé au nom du Père, on m'a plongé d'une fois. Après deuxième fois, on m'a plongé au nom du Fils. Après troisième fois, on m'a plongé au nom du Saint-Esprit. Je saurai que tu n'as pas reçu la révélation du baptême. Si tu me dis qu'on avait versé un seau d'eau sur moi, je sais tout de suite que tu n'as pas la révélation du baptême. Parce qu'il y a ce que Dieu a montré qui équivaut à une révélation. Ce que Dieu t'a fait voir, ce que Jésus-Christ de Nazareth t'a fait voir est une révélation. Tu ne dois pas jouer avec. Pose-toi la question, on a baptisé Jésus, comment et de quelle manière? Par immersion, on doit te plonger dans les eaux du baptême. En répétant la formule que Jésus même a imposée à ses apôtres. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous l'a recommandé. Et ça doit se faire après ta repentance. Parce que Jésus n'était pas un pécheur. On ne plonge pas un pécheur dans l'eau. Tu dois être comme lui au moment où tu entres dans les eaux de baptême. Certaines personnes sont étonnées maintenant. C'est ça qu'on appelle la révélation. Et si tu n'es pas baptisé selon la loi de Dieu, sois humble. Demande à ceux qui connaissent Dieu de te baptiser. Si tu vas vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont te persécuter. Ils vont te haïr. Et ils vont te tromper. Ils vont te dire que c'est la même chose. Et si c'était la même chose, Jésus n'allait pas descendre et quitter son trône pour venir sur la terre, pour se révélé pour rien. Si n'importe quoi pouvait te bénir, Jésus n'allait pas venir. Ce qui doit te bénir, c'est ce que Christ apporte. Il dit, le Père m'a donné toutes choses. Dieu a pris tout, il a donné à son Fils. De telle sorte que si tu rejettes le Fils, tu as rejeté tout de Dieu. Suivez les vérités fondamentales sur la RTVC, la chaîne de la Bible.